Gels fans. Laquelle est la vraie? Jamais je ne trouverai. Ne cherche pas, tu perds ton temps. Tu vas te retrouver par terre, comme ton ami le patapouf. Ce n'est pas mon ami, mais je ne vous laisserai pas l'anéantir. Pouvoir écran! Bravo, Mickey! Elle a assuré. Je crois que cette fois, c'est dans la poche. J'en suis pas si sûre. Ça m'étonnerait beaucoup qu'Abel et Mabel abandonnent aussi vite la partie. Tu croyais vraiment que ton petit mur de rien du tout allait nous arrêter? Parce que la partie vient tout juste de commencer. Allez, Abel, envoie-moi le ballon. Attrape! Mon mur écran risque de ne plus tenir très longtemps. Il faut que je trouve une solution. Gas! Allez, réveille-toi! J'ai besoin de ton aide. J'ai dit réveille-toi. Hé! Hey, Mickey vient de lui donner une claque! C'était juste pour le réveiller. Elle a oublié le veto ou quoi? Quoi, le veto? La balance a été détruite, tu t'en souviens pas? Ourie a raison. C'est même pour ça qu'on est là, pour se battre. Merci, monsieur, je sais tout. J'ai jamais été douée pour suivre le fil des événements. Hé, hey, regardez, Gas se réveille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peu importe, vite, lève-toi, Gas. Pourquoi faire? Je suis plutôt bien allongé sur le sable. Plus qu'un seul tir et son mur s'effondre. Vas-y, Abel! Allez! Allez, courage, lève-toi! T'as dû recevoir un sacré coup sur la tête. On est au beau milieu d'un défi. Il faut absolument combattre ces deux sorcières. Je me souviens maintenant, même que j'avais faim d'ailleurs. Gas, tu as tout le temps faim. C'est vrai! Bon, allez, on termine ce match et on file manger. T'as raison, ça me va parfaitement. Et un mur réduit en poussière, hein? Et on vous réserve le même sort. Vous allez enfin voir comment se bat un véritable guerrier. Non mais attendez, c'est à moi de servir. Pouvoir jet de pierre. Hé, il a troué notre filet. C'est de la triche. Ben quoi? Qui a dit qu'il fallait respecter les règles? Ça, c'est bien dit. Gas assure comme un chef. J'ai toujours été fière de lui. Surtout depuis qu'il a remporté au lava le concours du plus gros mangeur de frites. Elles esquivent les attaques de Gas beaucoup trop facilement. Abel et Mabel sont exceptionnellement douées. Mickey, au lieu de rester planté là à rien faire, viens me donner un coup de main. Gas a raison. On a une chance si on associe nos pouvoirs. Gas, continue avec ton pouvoir jet de pierre. Mais je les atteins jamais. Elles sont beaucoup trop rapides. Mais pas si on s'y met tous les deux. Pouvoir sticker. Oh, mais Belle, elle a réussi à me toucher. Moi aussi. On réussira pas à s'en sortir face à eux. Faut déclarer forfait. Oui, elles sont à terre, génial. On les a
et dire que j'étais censé recevoir une leçon de ces deux incapables. Abel, mais Belle, relevez-vous immédiatement. Perdre ce match serait le commencement d'une interminable série de problèmes. À vos ordres, Général Cassidy. Hein? Elles se sont relevées. Mais pourquoi elles abandonnent pas? Parce que nous faisons partie de la garde d'honneur du Général Cassidy. Il est grand temps de se débarrasser de ces stickers. C'est impossible. Personne n'est capable de les décoller des vêtements. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Pouvoir vêtements. Elles vont se battre sans leurs vêtements? Ouais, je crois bien. Gas, souviens-toi quels sont nos ennemis. Je sais, mais j'y peux rien si nos ennemis sont vraiment très mignonnes. Vous allez vous battre en maillot de bain? Eh oui, bien sûr, il me semble qu'on se trouve sur un terrain de beach volley, non? Et puis, on dirait que ça ne dérange pas beaucoup ton copain. Je crois que je suis amoureux. Gas, garde tes yeux dans ta poche. Je crois qu'on a marqué des points. Et il est temps d'en marquer d'autres. Feu! Baisse-toi! Je suis amoureux d'elle, pas de toi, Mickey. Mais qu'est-ce que tu dis? C'était pour te sauver la peau, monsieur le roi de la drague. T'as raison, attaquons-les. Ah oui, mais comment? Le ballon finit toujours par leur revenir. Mais voilà, Mickey, t'es un génie! Qu'est-ce que j'ai fait? Leur ballon! C'est grâce à lui qu'elle gagne. Oui, alors? Il suffit qu'on leur vole. Batros, j'ai besoin de ton aide. Pouvoir de la grenouille! Oh! Vous pensez nous battre avec un crapaud? Regarde, Abel, il va manger notre ballon! Il l'a avalé! Aussi facilement qu'une mouche! Oui, je savais que ça allait fonctionner! Batros, t'es la meilleure comme d'habitude! T'es deux guerrières les plus redoutables battues par une grenouille. Voilà qui est particulièrement vexant, je crois. Cubral, dois-je te rappeler que nous sommes dans la même équipe? C'est exactement ce que je t'ai dit quand Miguel a perdu. C'est vrai, j'ai mal agi. À partir de maintenant, comportons-nous comme si nous étions associés, d'accord? D'accord, Cassidy, mais c'est uniquement parce que nous devons écraser cette bande de petits prétentieux. Courage, guerrier! Tout n'est pas encore perdu! Vous avez entendu? Montrez-leur ce que signifie faire partie de la garde d'honneur d'un général! Sauf que vous devrez le faire sans ballon! Espèce de loser! Comment oses-tu te moquer de nous? Gas, à ta place, je chercherai pas trop à les embêter. T'inquiète, sans leur ballon, je crois que ces deux filles ne savent rien faire du tout. Tu es sûr de ce que tu avances, espèce de vieux crapaud? Bah oui, vous avez bien vu ma grenouille n'en faire qu'une bouchée! Oui, et alors? Qu'est-ce qui te fait croire que c'était notre seul et unique ballon? Parce que vous pouvez en avoir d'autres. On en a autant qu'on veut, qu'est-ce que tu crois? Pouvoir du ballon! Non! Maintenant, elles ont nous deux! Tu vois, Agathe, te l'avais bien dit. Fallait pas les chercher. Écoute-moi la prochaine fois. Oh! Oh, elles vont être encore plus redoutables. Et moi qui pensais qu'elles avaient perdu? Oui, et puis en plus, ces filles, elles sont ringardes. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Cabria. Et maintenant, la balle de match. Double smash tourbillonnant. Encore un smash? Mais vous n'avez aucune imagination, les filles. C'est clair, il ne nous reste plus qu'à éviter le ballon et contre-attaquer. Et toc! Vous nous avez encore ratés. Je ne crierai pas victoire si vite à ta place. C'est en train de nous engloutir. J'y arrive pas. Tiens bon, Mickey. Je n'y arrive pas non plus. On est aspirés. Hourra! On a gagné. Elles nous ont battus. C'est la honte. Dis pas ça, vous avez fait tout votre possible. C'était pas suffisant. Et maintenant, on est à égalité. Ce n'est pas votre faute. Il ne faut pas oublier que nous sommes face à de terribles guerriers.
Oui, Ouri a raison. La garde d'honneur de l'armée des anges et de celle des démons est super puissante. Même si Cassidy et Cubral le sont encore plus. Oui, et si nous gagnons, Sulfus et moi serons obligés de les défier. Joli travail, les filles. Pas mal, quoique j'aurais fait beaucoup mieux. Permets-moi d'en douter, Archange. Abel a raison. Ses élèves sont vraiment téméraires. Abel et Mébel ont fini par gagner, mais ça n'a pas été facile. Et si jamais nos gardes d'honneur perdent ce tournoi, Cubral et moi devrons affronter Sulfus et Raph. Le deuxième défi a été remporté par l'équipe de la garde d'honneur. Les deux équipes sont à égalité. 1-1. Le prochain défi opposera Dolce et Cabria pour l'équipe des élèves. À Demos et Phobos pour l'équipe de la garde d'honneur. Encore un duel à deux contre deux. Mais cette fois-ci, c'est à moi d'y aller. Allez les filles, il faut que vous nous marquiez ce point. Il y a peu de chance. Vous avez vu ces deux grosses brutes? Demos, Phobos, écoutez-moi attentivement. Je veux que vous me détruisiez cet ange et ce démon rapidement et efficacement. Au travail, mes guerriers. C'est encore à eux de choisir le champ de bataille? Ouais. Et vu le genre de nos deux adversaires, je doute qu'ils choisissent un endroit beau et agréable. Mais où est-ce qu'on est? Yeah.